Salut, c'est Mathieu, le blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va parler de l'index glycémique et de la charge glycémique. On va voir si c'est vraiment si utile que ça. Mais avant, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est très important. Comme ça, au moins, tu ne vas rien rater des prochaines vidéos. Je publie des vidéos sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition, mais bien sûr des défis et d'autres choses. Tu peux aussi liker la vidéo si tu l'as appréciée. Et n'oublie pas d'aller checker en description. Tu as la possibilité de télécharger gratuitement un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids avec un programme de musculation et un calculateur de taux de masse grasse. Allez, c'est parti! Alors, tu as sûrement dû lire ou entendre des gens qui te disent qu'il faut absolument éviter les index glycémiques élevés, qu'il faut manger que des index glycémiques bas, voire modérés. Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'un index glycémique? Lorsque tu manges des glucides, il va y avoir un impact sur le taux de sucre sanguin, sur ta glycémie. Lorsque tu manges des aliments qui vont faire grimper en fait le taux de sucre sanguin, le corps va réagir en produisant en fait de l'insuline via le pancréas. Donc l'insuline, c'est une hormone dont le rôle, c'est de stabiliser ton taux de sucre sanguin. Donc grosso modo, ça va agir comme une clé en fait, elle va aller ouvrir les cellules, donc les cellules musculaires ou les cellules graisseuses, les cellules adipeuses aussi, pour y faire entrer en fait du coup le glucose et les sucres. Et c'est ce qui a provoqué en fait aussi une diabolisation de l'insuline, qu'on appelle en fait un peu l'hormone du stockage de graisse. Alors c'est bien plus complexe que ça, faut pas diaboliser l'insuline, pas du tout. Si tu veux une vidéo complète sur l'insuline, dis-le moi en commentaire, je te ferai ça avec plaisir. Donc le rôle de l'index glycémique, c'est de donner un score à un aliment sur la vitesse à laquelle il va augmenter en fait ta glycémie, ton taux de sucre sanguin, et donc potentiellement provoquer un pic d'insuline pour faire rebaisser ce taux de sucre sanguin. Et donc ce score va de 0 à 100, 100 étant le score du glucose, et il est calculé pour l'ingestion de 50 g de glucides d'un aliment. Donc plus l'index glycémique est élevé, plus il va provoquer une hausse de ta glycémie et plus il va provoquer un pic d'insuline et soi-disant un stockage des graisses. Et au contraire, si tu manges des aliments index glycémique bas, voire modéré, eh bien la glycémie va monter plus graduellement et tu n'auras donc pas cet effet de pic d'insuline. D'ailleurs, lorsque tu étudies du coup l'index glycémique, tu peux t'apercevoir que ça n'a aucun sens de classifier les glucides suivant les sucres rapides et les sucres lents, tout simplement parce que tu vas avoir des sucres compensés rapides qui en fait ont des index glycémiques qui vont être plus faibles que certains sucres lents qui vont avoir en fait des index glycémiques plutôt élevés. Alors ça semble pratique comme indice, mais en réalité il y a de grosses limitations à utiliser l'index glycémique. Déjà, l'index glycémique varie en fonction de plusieurs paramètres. Déjà, la combinaison dans tes repas entre les macronutriments, le fait de, on mange rarement en fait un glucide tout seul, on va manger des protéines, on va manger des lipides avec, et bien ça va faire diminuer en fait l'index glycémique. Il y a aussi la préparation et la cuisson en fait de ton aliment qui va jouer aussi sur son index glycémique. Mais la limite la plus importante, c'est surtout le mode de calcul en fait. Ton index glycémique, il est calculé par rapport à 50 g de glucides ingérés. C'est-à-dire que on va prendre un exemple tout simple. Des pâtes, c'est un index glycémique entre 45 et 55. Okay, une pastèque, c'est un index glycémique de 72. Alors déjà, tu peux te dire intuitivement que c'est un peu bizarre de... si on suit l'index glycémique, il faudrait plutôt privilégier des pâtes à plutôt une pastèque. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais au-delà de ça, pour manger 50 g de glucides exclusivement de pâtes, il faudrait manger 120 g de pâtes. C'est assez facile de manger 120 g de pâtes. Par contre, pour avoir 50 g de glucides venant d'une pastèque, il faut manger 700 g de pastèque. C'est pas du tout la même chose. Donc, tu vois, au final, si on se base uniquement sur l'index glycémique, on peut pas comparer en fait d'un aliment à l'autre parce que les quantités sont en fait complètement différentes. Alors, pour corriger ce problème, il a été inventé la charge glycémique. La charge glycémique, en fait, c'est assez simple pour la calculer. C'est l'index glycémique multiplié par la quantité réelle de glucides ingérés quand tu manges un aliment. C'est mieux que l'index glycémique, mais c'est pareil, c'est pas parfait parce que ça reprend du coup l'index glycémique et ça reprend du coup quasiment tous ses défauts, c'est-à-dire la variation de l'index glycémique en fonction de la composition de tes repas et en fonction de la préparation. Donc tu peux pas vraiment déterminer précisément ton index glycémique.
Alors, est-ce que ces indicateurs sont vraiment utiles? Bien, moi j'ai envie de te dire que si tu es en bonne santé, bah non, en fait. On s'en fout complètement de l'index glycémique et de la charge glycémique. Tout simplement parce que, en réalité, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qui compte principalement pour la prise de poids et la perte de poids, c'est le total calorique. Donc, à calories égales, que tu manges des index glycémiques élevés ou bas, bah, l'impact sera le même sur ta composition, corporelle. Il faut remettre les choses dans leur contexte parce qu'on parle souvent de la méchante insuline qui va te stocker sous forme de graisse lorsque tu vas manger des index glycémiques élevés. Sauf que bah, si tu es dans une phase de perte de poids, tu es en déficit calorique. Pour stocker sous forme de graisse, pour avoir quelque chose à stocker, si tu es en déficit, bah, tu n'as rien à stocker en fait. Il faut prendre en compte qu'on parle d'un équilibre énergétique, ok, sur une période donnée et pas un instant T. Donc ça veut dire que tout au long de la journée, ton corps il stocke du gras et il déstocke du gras. Et c'est en fait une balance, un équilibre sur une période qui va faire que tu vas perdre du poids ou prendre du poids. Et c'est pas à un instant donné où tu vas avoir un pic d'insuline qui va faire que ça y est, tout est foutu et tu vas faire du gras. Non, pas du tout. Bien entendu, si tu as des problèmes de santé, si tu as des pathologies, des problèmes métaboliques, du diabète, etc., bah là c'est complètement différent. On sort du cadre de cette vidéo. Et Bouli, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!